J'ai fait Netflix, je suis contente d'avoir fait Netflix, ceux qui n'ont pas vu, regarder. Je suis vraiment contente, ça s'appelle Humoriste du Monde, le programme. Mais la vie de ma mère, je pensais pas, parce que j'ai fait beaucoup de télé avant ça, tu vois. Et là, je ne pensais pas, mais je me suis raconté de ouf, j'ai fait Netflix, j'étais saucée dans ma tête, je me la pétais de ouf, je te jure, j'ai enregistré Netflix. À la fois que vous me dites ça va, j'ai envie trop de répondre, bah ouais, ça va, j'ai fait Netflix, évidemment que ça va. T'as pas fait Netflix, moi j'ai fait Netflix, hein. Évidemment que ça va. Et te la péter pour rien. Je te jure, quand j'ai dit c'est tout pour moi à la fin du passage Netflix, c'était vraiment tout pour moi dans ma tête. C'était la fin de ma carrière. J'arrêtais là, j'étais trop saucée. Je rentre en scène, put your lighters up. Oulala, j'ai du Laurine, du Wyclef Jean. Netflix, société américaine qui propose un service internet de vidéos à la demande en diffusion continue. Ouais, je dis, j'ai reçu des messages dans des langues étrangères et c'est trop, ça fait trop plaisir tous ces compliments. Je sais même pas si c'est des compliments en fait, ça se trouve, parce que je comprends même pas les langues. Je reçois des insultes et je suis là, oh merci, banco. J'envoie les cœurs. J'ai eu peur en fait. Avant de faire Netflix, je pensais pas que ça allait marcher parce que forcément, t'angoisses, tu vois, c'est un gros truc. Tu te dis, je vais tout rater. Trop peur d'avoir un vrai beat sur Netflix, t'imagines ? 30 minutes de rien. Et là, je vous disais. 30 minutes sur Netflix, mais c'est pas YouTube, pas dire on supprime la vidéo, on enlève. C'est Netflix, c'est fait, tu vois. Donc là, j'étais saucée que ça se soit bien passé. Je jure, le lendemain de la diffusion, c'était le 1er janvier que ça a été diffusé, d'accord. Le lendemain de la diffusion, j'ai fait la première partie d'un pote qui s'appelle Paul Taylor au Casino de Paris. Et je te jure, je suis montée sur scène, c'est mon ego qui est rentré sur scène, c'est pas moi. Non, parce que normalement, tu sais, on applaudit une première partie comme n'importe qui. Moi, dans ma tête, j'entendais Netflix, Netflix. Je te jure, je suis rentrée sur scène, j'ai vu mes mains s'ouvrir, genre bonsoir public. Genre Céline Dion à Vegas, quoi. Plus je me rapprochais du devant de scène, plus je voyais que personne avait vu Netflix. Personne. Ouais, je te jure. Et en fait, et pendant 8 minutes, vraiment, c'est mon ego qui faisait des vannes sur scène. C'était pas moi. Tu sais, quand t'es là, ouais, je fais Netflix, ça va, ouais, je fais Netflix. Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte que mon ego savait pas faire de vannes. Tout ce qu'il savait faire, c'est salut, ça va. Ça va, je fais Netflix. Pourtant, je pensais avoir compris la leçon, parce qu'en faisant de la télé avant, j'ai appris qu'il fallait pas se la raconter, parce qu'au début, quand tu fais beaucoup de télé, on te reconnaît beaucoup, quand t'avais pas l'habitude, la première fois, c'est très bizarre, les premières fois. Et on dit toujours « Charlotte, t'es là, ouais, c'est moi ». Et au bout d'un moment, vraiment, tu fais une tête de merde. Comment ça te la raconter, genre « Absolument, ouais, c'est moi ». Avant que la personne ait fini sa phrase « Oui, c'est moi, je sais ce que tu vas dire, ne dis rien, chut. »« C'est moi. Et j'ai arrêté le jour où je me tenais dans la rue, vraiment. Il y a une meuf qui me dit, c'est vous? Je vais, oui, c'est moi. Avec le stylo dans la main, prête à signer. Et elle me dit, oui, c'est vous, Laetitia, la sœur de Sophie. Mon ego s'est envolé, mon gars. Ce jour-là, je pensais avoir compris la leçon, mais Netflix m'a remis dans le pain, je te jure. Ils nous ont mis trop bien, en fait. Il y avait même plein de potes humoristes qui étaient jaloux des gens qui étaient sélectionnés pour Netflix, parce que c'est tellement un truc de ouf, tu sais que c'est rare qu'on ait ça en France, tu vois. Ils nous ont accueillis, mais t'sais, beaucoup de gens étaient jaloux, ils disaient, oh, pourquoi elle et tout. Pourquoi moi, frère, c'est un truc pour le monde entier, je représente la France ou pas? Femme, noire, lesbienne, et je suis moins cher que Foresti. Bon, à part qualité prix, mon frère. Voilà pourquoi moi. C'est l'Eurovision, ce truc. Y'a qu'une femme à barre pour me battre. Enfin bon, bref. Je te dis, ils m'ont trop bien mis, Netflix, à la loge, t'es bien, loge caravane, à la carie et tout, tu vois, c'est trop stylé. Et vraiment, tu sais, il y avait des fruits partout, des machins, et avant de partir, en fait, du tournage, je vois dans la loge une enceinte Bluetooth. Je fais jamais ça, mais je l'ai volée, là. Là, je l'ai volée. Ah, c'est Netflix, mon frère, je me suis dit, ils ont l'argent, c'est sûr que je peux voler. Et j'ai vraiment eu honte, parce que sur le paquet, c'était marqué « Pour Shirley ». J'ai volé mon cadeau, c'est ça qui s'est passé. Ah, les boules, je sais pas si t'as déjà été cambriolé. Tu sais la sensation que c'est, mais quand tu te cambrioles toi-même. J'étais pas prête, ils nous mettent pas assez bien en France, du coup on est des blédards quand on va ailleurs. Netflix. Toudoum. Pouboum. C'est comment déjà? Popopom. Tring. Tcha. Toudoum. C'est presque ça. Toudoum. Toudoum. Netflix, quoi. Eh. Abonne-toi. Alors, s'abonne pas? On n'est pas du genre à faire des abonnements?